Et voilà, donc salut les bilous, c'est Clem. Donc aujourd'hui on se retrouve. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir, pour la présentation de Dirt 3. Voilà. Et non pas Colin McRae Dirt 3. Hein. J'allais dire Colin McRae Dirt 3 en plus. Non, je dis bien Dirt 3, car oui, le jeu a perdu le nom de Colin McRae hein, depuis le malheureux décès de ce personnage de Colin McRae. Codemasters a décidé de l'appeler uniquement Dirt 3 et pas Colin McRae Dirt 3, contrairement à, aux deux volets, aux deux opus qui l'ont précédé, autrement dit Colin McRae Dirt et Colin McRae Dirt 2, dont je vous avais fait les vidéos. Enfin, donc là, je vais vous faire la trilogie en fait, hein, sur PS3, tous les Colin McRae, enfin, entre guillemets, parce qu'on peut dire que c'est un Colin McRae, que c'est pas un Colin McRae, mais c'est un. Attends, on va lancer le jeu là, parce que là en fait, je suis sur le menu PS3. Hein. C'était juste pour vous montrer la musique de malade, là, qui est vraiment pas mal, je trouve. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je vous ai fait la trilogie sur PS3, la trilogie des Colin McRae, entre guillemets, quoi. Parce que on pourrait presque l'appeler Colin McRae, mais en réalité, non. On peut dire que c'est la suite des deux premiers, quoi. De toute façon, c'est le 3, hein, donc ça, c'est sûr que c'est la suite des deux premiers. Enfin bon, bref, on va arrêter de dire des trucs inutiles. Je précise, comme d'habitude, qu'on n'est pas en HD, que ce jeu est développé par Codemasters. Si je ne l'ai pas déjà dit. De toute façon, voilà, maintenant vous le savez. Et voilà, c'est sorti sur PS3, 360. Peut-être d'autres, mais je ne sais pas. Peut-être PSP, oui, peut-être des trucs comme ça. Mais je ne suis pas sûr. Alors nous voilà sur le menu. Alors je vais lever un peu le son. Voilà. Alors première chose à savoir quand même, c'est qu'il faut un code VIP Pass. Pour pouvoir jouer en ligne, c'est-à-dire que dans la boîte du jeu, on a un code à usage unique, bien évidemment, qui nous est donné, qui nous permet d'accéder aux jeux en ligne et même d'avoir quelques voitures en fait dans le mode solo qu'on n'aurait pas sans ce code. Bien évidemment, à quoi ça sert? Vous allez me dire, bah ça sert tout simplement à casser le marché de l'occasion. Voilà, parce que si vous achetez le jeu d'occasion, vous ne pourrez pas jouer en ligne si le code est déjà utilisé. Et donc, vous devrez racheter un code sur le PS Store. Alors, à savoir qu'en fait, il y a eu un petit problème parce que quand le jeu est sorti, le PlayStation Store était en maintenance. En fait, le PlayStation Network, enfin le jeu en ligne, était revenu, mais pas le PlayStation Store. Et le problème, c'était que pour jouer en ligne à ce jeu, il fallait entrer un code dans le PlayStation Store. Et donc, on ne pouvait pas. Donc, c'était un peu dommage. Donc, on a eu longtemps pas de online avec ce jeu. Mais bon. C'est pas grave, hein, maintenant il est là et il est bon, on verra ça tout à l'heure. Alors comme vous pouvez le voir, alors moi au départ j'ai été un peu déçu par ce menu parce que quand on voit le menu de Dirt 2, franchement, je m'attendais à mieux. Attendez deux secondes. Même si finalement, il est pas si pourri que ça ce menu. Disons que c'est un mix entre le menu du premier volet et le menu du second volet. À savoir que là c'est moi qui bouge la caméra, là je dézoome. Je zoome à l'aide des gâchettes L2 et R2 et je peux bouger comme ça à l'aide du joystick droit. Voilà, ça c'est toujours sympa. Mais bon, ce menu est quand même esthétiquement sympa. Et donc oui, je disais, c'est un mélange entre le premier menu, le premier Dirt et le deuxième. C'est-à-dire on a des écritures quoi, comme dans le deuxième. Vous voyez, en espèce de 3D comme ça, il n'y avait pas ça dans le premier. Enfin, je crois pas. Mais dans le deuxième, il y avait. Enfin, c'est un peu le mix. Voilà, c'est un peu le mix. Sauf qu'il n'y a plus de... On n'est plus dans un camion, enfin dans une petite camionnette, là, dans son petit camping-car, comme on était dans le 2. Ça, c'était vraiment énorme. Mais bon, bref, on va arrêter de parler du 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les options, déjà? On va juste aller voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, les commandes toujours personnalisables à souhait. On choisit exactement ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est assez plaisant, quand même, il faut le dire. Avec toujours les flashbacks, qui sont toujours là. Affichage, on s'en fout, audio. Alors style, oui. Style, alors on peut choisir notre style de klaxon. Alors je ne les ai pas tous débloqués hein, parce que j'ai pas fini le Dirt Tour et j'ai pas non plus beaucoup avancé online. Et aussi on peut choisir la complexité. Non, ça se dit pas ça. La complexité. Hein. Enfin bon, bref, on a le choix entre deux styles de copilote. Soit il dit ça en simplifié. Voilà, donc gauche moyen, gauche léger ou gauche dur. Voilà, en gros, il n'y a que ça. Soit
il dit, comme dans le premier Dirt, ça. Gauche 3. Voilà. Entre gauche 2 et gauche 6, épingle, je ne sais plus s'il y a gauche 1 par exemple, bien sûr droite aussi, hein, il n'y a pas que des virages à gauche, hein, je vous rassure. Mais donc voilà, donc ça c'est assez plaisant, moi je m'en complexe parce que j'ai plus l'habitude et c'est surtout beaucoup plus précis que le simplifié. Et c'est surtout plus simple donc pendant les rallyes. Donc voilà pour les options, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Vibration, ok. Ma vibration, j'ai pas de manette qui vibre là, donc bon. Tant pis, parce que ma manette qui vibre bug. Mon dirt, on va pas aller voir. Alors joueur solo, on peut tout simplement faire des courses, choisir notre course, mais sans faire le dirt tour en fait. Mais nous, on va aller voir dirt tour tout de suite, qui est en fait le mode solo du jeu, hein, tout simplement. Alors le dirt tour, en fait, comment ça se passe? On a 4 saisons en tout à réaliser. Alors moi, pour l'instant, j'en suis qu'à la 3ème. Vous voyez, ça, c'est la première saison. La deuxième. Vous voyez, le menu, il est quand même assez stylé. Enfin, l'interface est quand même pas mal. En plus, on a des espèces de bandes noires. Là, ça donne un espèce d'effet rétro. C'est pas mal foutu. Je vous rassure, quand on joue, on appuie les bandes, hein, bien sûr. Donc, là, on a la première saison. Ici, la deuxième. Et ici, la troisième. Et là, la quatrième, que je n'ai pas encore débloquée. Et devant, là, les petits triangles qui sont devant, ici... Et ben en fait il s'agit tout simplement de tour du monde. Voilà, là c'est le tour du monde des rallyes. Alors c'est très long, alors j'ai pas encore, je crois que j'ai même pas encore commencé ça, non. Et World Tour. Donc il faut faire toutes les étapes, en sachant qu'en fait dans une course, il y a. Enfin dans une étape, il y a 5 courses. Voilà, 5 courses d'environ 2-3 minutes. Donc vous devez faire 5 fois 5 courses d'environ. Enfin non, là c'est pas 5 courses, mais bon. Bref, en tout cas c'est très long. Mais en fait c'est. C'est un tour du monde, vous faites tous les environnements qu'il y a dans le jeu, mais dans une seule catégorie. Donc là en rallye, ici, en rallye cross, j'ai déjà commencé d'ailleurs, j'ai fait une ou deux épreuves. Vous voyez, j'ai fait les deux premières épreuves. À Los Angeles, à Aspen, après il y a Smelter, Monaco, et il y a du Gymkhana, on y reviendra un petit peu après. Et sûrement qu'après, ici dans les autres triangles, on a tout simplement des World Tours de, d'autres catégories, comme du Land Rush, peut-être du Trade Blazer, mais bon bref, on va voir les catégories tout à l'heure un petit peu en détail, enfin en détail. Je vais vous les expliquer en tout cas. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Alors, on a également, vous avez pu le remarquer, ici, un autre triangle, là, enfin un autre tétrapède, non, je sais plus comment ça s'appelle, enfin un triangle en 3D, là, je sais plus comment ça se dit. Et donc, qu'y a-t-il là-dedans? Eh bien, ce sont tout simplement des zones d'entraînement pour le Gymkhana. Alors, qu'est-ce que le Gymkhana, vous allez me dire? Eh ben, on va aller dedans tout de suite dans le parking lot. Voilà, et on va prendre la voiture de Ken Block avec le sponsor monster, parce que franchement, elle est superbe. Par contre, il y a un petit peu trop de chargement, je trouve, parce que quand on fait une épreuve en plusieurs étapes, je ne sais pas si ça se dit, mais vous me comprenez. Enfin, vous voyez, on clique sur l'épreuve, et imaginons il y a 5 étapes, comme dans un World Tour. Eh ben, chaque étape, on aura cet écran de chargement-là. Alors c'est un petit peu chiant, franchement, j'ai pas trop aimé ça. Mais bon, c'est pas bien grave, mais bon, faut patienter, quoi. En même temps, il y a des choses à charger, hein, vu que le jeu est très beau. Ok, donc là, le gars nous parle. Ça, on s'en fout. Alors, on peut toujours régler notre véhicule, voilà, avec le rapport de boîte, appui, suspension. Mais une nouveauté, c'est qu'il nous explique ce que ça change. Voilà, écoutez. Choisis une boîte courte pour mieux accélérer ou longue pour une meilleure vitesse de pointe. Vous voyez, en fait, on peut voir vraiment à quoi ça sert, l'appareil. Une hauteur de caisse importante permet d'avoir un plus grand débattement, utile dans les bosses, mais moins efficace dans les virages. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est assez pratique quand on n'y connaît rien comme moi. Bah, elle nous explique, tout simplement. Alors, on peut également régler les assistances. Donc là, je suis en personnalisé parce qu'en fait, pour moi, intermédiaire... Enfin, en fait, ce qu'il y a, il y a novice, intermédiaire et expert. Mais pour moi, en fait, pour moi, expert, c'est trop difficile et intermédiaire, c'est trop facile. Donc, ce que je fais, c'est que je fais paramètres avancés. Ouais, bon, là, je peux pas parce que... Ouais, là, je peux pas. Mais c'est pas grave parce que je suis pas en course, en fait, tout simplement. Donc, ça, on s'en fout. Je vous le ferai voir tout à l'heure. Mais, en fait, on peut régler la difficulté de 1 à 6. Il y a 6 niveaux de difficulté, en gros. Voilà. Et ensuite, on peut aussi régler toutes les assistances. Alors, premier point, vous pouvez le voir, d'ailleurs, c'est très, très beau. Voilà, franchement, ça éclate la rétine, quoi, c'est super beau. En plus, là, on n'est pas en HD, hein, je précise, on n'est pas en HD. Alors, là, ce que je vais faire, c'est du Gymkhana. Alors, qu'est-ce que c'est du Gymkhana? Bah, c'est tout simplement, en fait, on fait des figures avec notre voiture. Alors, il y a différentes figures. Il y a premièrement le donut, ça s'appelle. Voilà, donc c'est-à-dire tourner autour d'un truc comme ça.
Alors en fait, on va faire des compétitions et à chaque fois qu'on va réussir une figure, ça va nous faire gagner des points. Enfin, je vais vous prévoir ça tout à l'heure. Donc ça, c'est le donut. On a le smash. Merde, là, j'ai bien raté. Attendez, voilà. On a le smash qui consiste en fait à défoncer des trucs comme ça. On a le drift qui consiste tout simplement à faire un dérapage comme ça. Oula. Mon tuyau, ok, j'ai fait un défi. On a le saut. Voilà. Ça. Putain, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Ça fera gagner des points également, le saut. Donc on a le spin. Je vais essayer de vous faire voir. Oulalalalala. Le carnage. Alors où suis-je, voilà. Le spin, alors ça consiste en fait à faire des tours sur soi-même comme ça. Enfin, si j'y arrive, ok, j'ai fait la buse. J'ai du mal là, j'ai l'impression que c'est de changer de HD à pas HD. Oui, c'est mon excuse. Mais franchement, j'ai du mal là. Je sais pas pourquoi d'habitude j'y arrive beaucoup mieux. Attendez, j'ai un problème. On va sortir de là. Enfin bon, vous avez compris l'esprit du spin, je pense. En fait, il faut simplement tourner autour. Enfin, tourner. Voilà, comme ça. Et ça, le but du spin, en fait, c'est de tourner comme ça au milieu du truc. Voilà. Et de ressortir bien. Du moins, on essaye. Donc voilà ce que c'est le Gymkhana. Mais je vais vous faire voir une épreuve de Gymkhana tout à l'heure. Vous allez voir, ça va être plus intéressant. Alors, à savoir que là, dans notre super parking lot, on a des défis à faire. Hein. Donc là, on va quitter. Alors, on peut également mettre nos replays sur YouTube. Ça, c'est une nouveauté. Mais je ne l'ai jamais fait parce que c'est très chiant et très long. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est clair. Non mais en fait le truc c'est que quand on le fait on est mis sur une file d'attente. Alors après la file d'attente il faut sûrement attendre que la vidéo s'upload. Enfin bon, ça doit être un truc super pénible. Donc je ne l'ai pas fait. Surtout que ça sert pas à grand chose en fait. Mais ça se met sur votre compte YouTube hein. Vous rentrez vos informations du compte YouTube et ça se met dessus. Alors je vais vous faire voir qu'est-ce que je vais vous faire voir. Alors à savoir que, mais je vous ai même pas fait voir comment se passait une saison en fait. Là quand on ouvre une saison, hop, voilà, on a 4 triangles qui s'affichent. Alors, ces triangles représentent à chacun des compétitions, en fait, hein, tout simplement. Mais des compétitions, vous voyez, par exemple, je vais là-dedans, voilà, et là, il y a plein de petites courses qui s'affichent. Voilà, alors là, il y avait un rallycross, un land rush, un rallye, un drift, voilà, une compétition de drift, et un head-to-head certainement là, non? Non, je sais même pas ce que c'est. Blast final, oui, bon, on s'en fout. Et donc, vous allez devoir, en fait, quand vous terminez premier ou deuxième, hein, ça dépend, vous voyez, premier 50 points, deuxième 40 points. Bref, mieux vous allez terminer, plus vous allez gagner de points. Et donc, vous avez besoin d'un nombre de points précis pour débloquer la finale. Et après, bah, vous la gagnez, enfin, vous la gagnez pas, ça dépend de vous. Et mais ça ne change rien que vous la gagnez ou pas. Et vous débloquez les autres compétitions. Je vais vous faire voir ça dans la saison 4, là, parce que, dans la saison 3, parce que j'ai pas tout, je crois. Bien sûr, j'ai tout comme par hasard. Mais c'est pas grave. Bon, là, j'ai pas tout. Vous voyez, là, j'ai rien fait encore. Et voilà, 60 points pour débloquer. Et 120 points pour débloquer. Donc il faudra que je termine au moins 3 fois premier là-dedans. Pour débloquer la finale, en fait. Hein. Enfin bon, ça, je pense que vous avez compris. Donc, je vais vous faire voir peut-être une course là, parce que. On va aller dans le premier truc, tac. J'aimerais bien vous faire voir un rallye au Kenya, en fait. Non, vous savez quoi? On va pas faire le Pro Tour. Le Pro Tour, vous avez compris, il s'agit en fait de faire notre saison, on fait notre carrière, on gravit les échelons. Et voilà, on fait des... Il y a toujours les X Games, hein, et même les Winter X Games. Et donc voilà, le Pro Tour, c'est ça, en fait. Hein. Vous enchaînez les courses, en gros. Hein. Mais bon, on va faire joueur solo, comme ça, je vais pouvoir choisir vraiment ma course. À faire course unique. Alors, un rallye au Kenya, je vais vous faire voir. Non, matin, soleil, c'est bien. Hop. Je vais choisir ma voiture. Vous voyez, alors on débloque également les véhicules. En fait, on les achète plus. On les débloque selon notre niveau. Alors, les niveaux, on les gagne en gagnant des courses dans le Dirt Tour et même en gagnant des courses online. Enfin, donc, on va prendre la Citroën Total machin. Donc là, je peux choisir le coloris, même si c'est le même. Enfin, c'est pas exactement le même, mais ça ressemble beaucoup quand même. Donc, alors, autre point aussi qu'on peut, vous l'entendez certainement, ils sont lâchés au niveau des musiques, hein, ça y a rien à dire.
sur le menu, il y a des musiques, je comprends pas en fait. C'est... le truc, c'est même pas une musique quoi, c'est. Enfin, c'est super bizarre. Franchement, il y a des musiques très spéciales, mais ça fait plaisir parce que ça donne vraiment une bonne ambiance au jeu. Voilà. Notamment d'ailleurs la première musique que vous avez entendue là quand j'étais encore sur le XMB, n'est-ce pas? Bon, tu te dépêches, Bilou, ouais, les chargements, c'est un petit peu chiant quand même, hein, ça, il faut pas se le cacher. Voilà, Kenya, vous allez voir vraiment le Kenya, c'est vraiment, vraiment beau. Enfin, j'ai trouvé personnellement. Et donc, je vais vous laisser apprécier la course un petit peu, tiens. Non? Oh non, non, allez. Donc, on peut voir des informations sur la course. Hein. Ah, bah, j'ai la même voiture que lui, tiens. Alors là, c'est un départ différé. Alors, on voit les feux à gauche. Ah, putain, attends, j'ai le soleil dans la gueule. Là, j'ai le soleil dans la gueule. Donc, c'est pas grave. Oula, si c'est grave. Attendez, juste deux secondes, je vais baisser un truc. Là, j'arrive. Voilà, c'est mieux. Oui, donc, putain, comme vous pouvez le voir, c'est quand même... Voilà, quoi, c'est super beau. En plus, on n'est même pas en HD, quoi, c'est ça le pire. Et c'est pas l'environnement le plus beau. Enfin, il y a des environnements enneigés comme Aspen... qui sont vraiment vraiment pas mal. Putain, mais c'est quoi cette voiture de dos? J'ai le temps de quoi? Ouais, comme Aspen, qui sont vraiment voilà, qui sont vraiment vraiment beaux quoi. C'est bon, là je joue comme une bus totale hein, mais c'est parce que je parle en même temps et c'est pas évident ce que j'entends pas ce que me dit le copilote en fait. Il faut un petit peu écouter parce que sinon c'est un peu compliqué. Et puis bah écoutez, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vais vous faire voir quand même le multi et d'autres modes de jeu, hein, comme le rallycross par exemple, voilà, les basiques, et même une compète de Gymkhana, je vous avais dit. Je vais vous faire voir ça. À la limite, je vous le ferai voir online, ça, la compète de Gymkhana. Comme ça, vous pourrez voir à peu près ce qu'il en retourne. Quoi. Sinon, que dire d'autre? Bah, la maniabilité n'a pas changé hein, par rapport à Dirt 2. Ah, mais putain, mais je comprends pas. Bon. Ouais, la maniabilité n'a pas changé par rapport à Dirt 2. C'est toujours la même, toujours aussi arcade, hein, j'ai envie de dire. Mais toujours aussi plaisant, toujours aussi simple. Enfin, pas simple, mais intuitif, vous voyez. C'est pas de la simulation, quoi, je veux dire. Hein. Enfin, c'est pas comparable hein, en même temps, vous allez me dire. C'est vrai, c'est pas comparable. Mais franchement, moi, personnellement, je préfère ça à un Gran Turismo 5 ou à Forza 3. Franchement. C'est plus simple, c'est plus réaliste, je trouve, personnellement. Je sais pas, je trouve ça plus réaliste. Après, chacun son avis. Hein, c'est... Alors oui, je vais vous faire voir quand même les différentes modes, les différentes vues. Donc là, on a la vue extérieure. La vue, comme ça, à ras du sol. La vue où on voit un petit peu le capot. La vue cockpit, qui est énorme. Quoi. Franchement, si on a un volant, ça doit être ultime. Quoi. Là, je vais rester un petit peu comme ça, parce que franchement, c'est super beau. Pff, attention là. Voilà, donc la vue cockpit qui est vraiment superbe. Mais là il y a une petite erreur parce que dans les voitures de rallye, normalement, il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de compteur qui vous montre à combien de kilomètres par heure vous êtes. Merde, ah bah tiens, d'ailleurs, j'en viens à un autre point. Donc, on va enlever la vue cockpit. Voilà, la vue proche comme ça et un peu plus loin. Moi, je me mets comme ça un peu plus loin. J'ai toujours joué comme ça, hein, maintenant je suis habitué. Même si je trouve que la vue cockpit est plus stylée, mais je suis meilleur en vue extérieure en fait. Hein. Alors là, ça va être la fin. Donc, on a également les flashbacks. Donc, les flashbacks, c'est quoi? Imaginons, je me plante. Voilà, je fais ça. Hop, je me suis planté. Et ben, j'appuie sur L1. Bon, même si là, il m'a remis sur la route, mais bon, c'est pas grave. J'appuie sur L1. Je rembobine. Voilà, je rembobine. Voilà, jusqu'où je veux. Voilà, imaginons ici. Voilà. Et une fois que j'ai trouvé mon truc, j'appuie sur carré. Alors, vous voyez là en bas à droite le petit truc là avec YouTube. Vous voyez, si j'appuie sur triangle, je peux mettre mon ralenti là, mon flashback sur YouTube. Bon, ça sert pas à grand chose hein, franchement, mais bon. Donc là, j'appuie sur carré, hop, 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 et c'est reparti. Voilà. Même si là, il y a eu un petit lag là, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, je vais terminer dernier. Non, ouais, sixième, c'est normal. Là, j'ai joué vraiment comme une muse. Alors, je vous rassure, c'est pas mon vrai nom de famille, hein, Coudift. Hein. Et voilà, ne cherchez pas Clément Coudif sur internet, ça sert à rien, c'est pas mon vrai nom de famille. Par contre, je m'appelle Clément, hein. Ça je pense que vous l'aurez remarqué, n'est-ce pas? Parce que si vous l'avez pas remarqué, franchement, c'est vous êtes un petit peu.
un petit peu grave, non, quand même, parce que Clem 225, c'est quand même Clément, non? Ouais, ça aurait pu être Clémence ou Clémentine, mais bon. Elle aurait une voix grave, Clémentine, quand même. Bon, je vais arrêter les conneries, parce que c'est du grand n'importe quoi. Alors, je vais vous faire voir un petit truc aussi. En fait, on a une espèce de présentation des voitures, c'est assez sympa. Alors, on va faire un rallycross à Aspen, voilà, pour en faire voir ça. On va faire 3 tours, non, pas en nuit. Alors voilà, là vous voyez, je peux faire, vous voyez en bas à gauche de l'image là, qu'il y a voir. Si j'appuie sur voir, écoutez. La Ford RS200 a été spécialement conçue pour la course. Elle fut cependant lancée trop tard pour délivrer tout son potentiel avant l'extinction du groupe B. Son châssis et son moteur Cosworth puissant en position centrale constituent un bon compromis entre performance et agilité. Ouais, ça c'est vraiment sympa. En plus, ça c'est moi qui tourne autour avec le joystick gauche. Je vais où je veux, comme ça. Avec le joystick droit, je peux toujours faire ça, dézoomer, zoomer. Ouais, c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, on peut admirer la voiture comme ça. C'est dommage qu'ils aient mis leurs espèces de triangles devant là. Ça sert à que dalle quoi. Mais sinon, voilà, c'est sympa d'avoir une petite présentation comme ça de la voiture avec les roues qui tournent. Là, voyez. Et donc voilà. Donc, un petit rallycross sur Aspen. Bon, je vais prendre cette voiture-là, tiens, pour la peine, mais avec un autre coloris peut-être. Ouais, ça, c'est bien. Enfin, j'aime bien, perso. Voilà, et après, je vous ferai voir le mode en ligne, et on pourra s'arrêter là, hein, parce que je n'ai tout simplement plus rien à dire. Hein. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Alors, au niveau de la durée de vie, quand même, le deux retours est assez long, hein, parce que j'y ai passé un bon moment déjà, et je ne l'ai pas, terminé. Ça doit être une bonne dizaine, voire quinzaine d'heures, je pense, pour le deux retours. Alors après, on a le mode online qui est lui aussi presque immortel. Franchement, moi je m'amuse toujours autant quand je fais une partie online, quel que soit le mode de jeu, quel que soit. Voilà, je m'amuse toujours. Et ça, c'est vraiment un plus parce que. Je veux dire, enfin, un Dirt sans online, ce serait dommage. Parce que franchement, ça rajoute une grande durée de vie et c'est très, très, très. Très marrant, ouais, tout simplement. On s'éclate, quoi, dans le mode en ligne, on s'éclate. Hein. Alors, vous voyez, là, on est dans un environnement enneigé. Alors, on n'avait jamais eu d'environnement enneigé, hein, il me semble, hein, depuis le premier Dirt qui est sorti, là. Alors, je sais plus, il y a combien de temps il est sorti, le premier Dirt? Peut-être il y a 4 ans, hein. Il y a 4 ans, putain, ça fait longtemps, hein. Il y a 4 ans. D'ailleurs, je me disais aussi, là, on est au mois de juin 2011, je me disais aussi, ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble, les gars. Ouais, presque 2 ans que je fais des vidéos. Dans 2 mois, ça fera 2 ans, quoi. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Enfin, bon, on n'est pas là pour dire ça. Alors, on peut klaxonner, hein, avec R3. Oulalalala. Ah oui, mais je vous ai même pas parlé de ça. Parce qu'en fait, j'ai tellement pris l'habitude. Comme vous avez pu le voir, il y a une nouveauté. C'est les indicateurs de trajectoire. Oui, bien évidemment, sur la route, on peut les voir. Là, avec la ligne verte, là, comme dans les jeux de simulation, en fait. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Au début, je me suis dit... Oh, c'est chiant, ça va me gêner et tout, mais de toute façon c'est désactivable, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais en fait c'est agréable, voilà, parce qu'on n'a pas besoin, quand on n'a pas de copilote, en fait on n'a pas besoin de regarder la petite carte qui se trouve juste au-dessus là, vous voyez. On n'a pas besoin de la regarder puisque l'indicateur de trajectoire nous indique où aller et surtout nous indique où freiner. Alors c'est un petit peu cheaté, c'est-à-dire surtout si en ligne il y en a qui l'utilisent et d'autres non. Mais bon, moi je trouve ça bien et voilà. Alors à savoir qu'on peut toujours se mettre en mode automatique ou en manuel, hein, au niveau de la boîte de vitesse, hein, ça change pas. Oh là 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 là. Oh hé, si ça c'est pas bol de roue là. Oula, ma voix c'est pas mal en couille là. ouais, donc voilà, indicateur de trajectoire. Ils se la font un peu à la simulation, c'est sympathique, tiens. Même si on n'est pas obligé de les suivre, hein. Et vous voyez ça, la fumée, enfin la fumée un peu, c'est pas une vraie fumée, c'est pas vraiment de la fumée, mais que fait la neige derrière, c'est vraiment bien fichu, c'est vraiment beau. Ce jeu est beau, quoi, vraiment, c'est. Y a rien à dire, quoi. Depuis le 2, enfin le 1 déjà, je m'étais dit, il est beau, et le 2, avec le menu et tout, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Codemasters, c'est vraiment des. Ils sont vraiment très très bons, quoi, franchement. Quoi, franchement, le 2, il était énorme. Si j'avais. Enfin, si j'avais à comparer. Le 3 au 2, je pense que je préfère le 2. Voilà. Parce que, voilà, tout simplement, l'ambiance dans le 2 est meilleure. Avec le camping-car, là, franchement, l'immersion est totale, quoi. Est vraiment totale.
Là, on a une immersion au niveau du mode carrière, un peu, je peux dire, du mode où on fait notre carrière, quoi, du Pro Tour. Voilà. Le Pro Tour était plus immersif du côté de Dirt 2. Enfin, de toute façon, c'est clair et net qu'il y a eu plus de boulot de fait sur Dirt 2 que sur Dirt 3. Hein, ça, il n'y a rien à dire presque. Hein, c'est... voilà, quand on regarde le menu de Dirt 2, où à chaque fois, en fait, on était dans notre camping-car et l'extérieur changeait selon la course qu'on faisait. C'est-à-dire, on était soit à Londres, soit au Japon. Voilà, c'était énorme. Tout simplement, c'était énorme. Là, on a un menu classique. Quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. C'est qu'on a un peu régressé au niveau du menu. C'est-à-dire, le 1, il y avait un menu. Bon, ok, voilà. Le 2, ça s'est vachement amélioré. On a un menu super sympa, super immersif et tout. Et le 3, on revient à un menu classique, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, là j'ai encore pas fini le premier, c'est un petit peu con ça, mais bon, c'est pas grave. Parce que quand je parle pas d'habitude, je finis presque à chaque fois premier. Sans me vanter, mais voilà. Et là, on va faire une petite compète de Gymkhana online. Et bon, on va se quitter là-dessus. Hein. Écoutez, non, vous en pensez quoi? Moi bon, je pense que ça va aller comme ça, non? Écoutez-moi cette musique. Voilà, des musiques sympathiques quand même, il faut le dire. Donc, multijoueur. Alors, ah oui, une autre nouveauté, énorme nouveauté, on peut jouer en écran partagé, alléluia. Voilà, donc ça c'est un miracle, parce que depuis Dirt, premier du nom, c'est-à-dire Dirt et Dirt 2, ils n'avaient pas fait l'effort de mettre un jeu en écran partagé. Et là, enfin, ça y est, c'est arrivé. On a le jeu en écran partagé. Et là, je n'ai qu'une seule chose à faire. Applaudir Codemasters. Voilà. Donc vraiment... Alors, je sais pas si les joueurs ont gueulé en disant « Nous, on veut un mode écran partagé et tout. » Ou si c'est eux qui l'ont fait. Je pense que c'est un peu des deux. Parce que moi, personnellement, j'étais très très déçu en voyant Dirt 2 sans mode en écran partagé. Et là, bah, enfin, on a l'écran partagé. D'ailleurs, c'est vanté hein, au dos de la boîte. Il y a écrit un jeu en écran partagé. Enfin, voilà. Nous, on va faire en ligne. Connexion entrée au club. Ça, j'adore. T'sais. Entrée au club. Pourquoi au club, sérieux? Enfin, c'est pas grave. Alors, on peut toujours. Alors, on peut inviter des amis, hein, bien sûr. On peut faire un pro tour, c'est-à-dire foncer et récolter la gloire en matchmaking selon classement. Voilà. Donc, autrement dit, on fait des courses et on gagne des points. Voilà. Ou une jam session où il n'est pas question de points, où on établit ses propres règles, on invite ses amis, on peut bloquer la session, ce qui fait que personne d'autre que les amis qu'on a invités ne peuvent venir. En gros, ça c'est pour se faire une partie entre potes, quoi, tout simplement. Mais nous, on va faire pro tour, donc avec classement, parce que jam session, il n'y a pas de classement. Alors on peut être de 1 à 8 joueurs dans la jam session, et pareil d'ailleurs dans le pro tour. Hein. Mais en fait, le Pro Tour, on peut le faire soit en solo, soit par équipe. Tout simplement, non. Ça change pas grand-chose, en fait. C'est juste que par équipe, le nombre de points... Enfin bon, ça change, on s'en fout un petit peu, en fait. Soit par solo, soit par équipe, mais bon, ça change quasiment rien. Donc, on va faire solo. Et là, quelque chose d'assez sympathique. Je crois qu'on a plus de choix de combos de mode de jeu que dans les précédents volets. C'est-à-dire que là, voilà, on a 6 choix. Donc compétitif, c'est-à-dire qu'on fait presque tout. On a les modes parties. Alors, je vais vous dire, mode partie, jamais fait et je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, on va peut-être découvrir ça ensemble tout à l'heure. On a les hardcore, c'est-à-dire rally, head-to-head, treadblazer, rally, cross land rush. Alors, je vous ai pas expliqué tous les modes de jeu. En fait, mon rally, c'est simplement d'aller d'un point à un autre le plus vite possible. Le head-to-head, en fait, c'est... comment dire? C'est un circuit. Un circuit où il y a deux routes différentes. Enfin, en gros, c'est un face-à-face sur un circuit, quoi. En gros, c'est un petit peu ça, mais c'est un petit peu différent. Enfin bon, ça, je vous laisse découvrir par vous-même. C'est assez intéressant, le head-to-head, c'est assez sympa. On a également point à un autre avec Rally Head-to-Head et le Treadblazer. Alors, Treadblazer, c'est tout simplement d'aller donc, d'un point à un autre. Le plus vite possible, mais c'est avec une voiture très 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 rapide et il y a beaucoup de lignes droites. En gros, c'est du truc à 200 tout le temps, 300 km/h, c'est un truc de gros malade. Quoi. Alors, il y a de la course aussi sur circuit, il y a des rallycross
Je vous ai fait voir ce que c'est. Un rallycross, c'est un circuit en plusieurs tours, assez court généralement et assez technique en fait, hein, tout simplement. Bon, sur Aspen, c'est pas très technique, mais quand c'est sur du béton, par exemple à Monaco, c'est des virages très courts et très serrés. Alors le Land Rush, c'est avec des grosses voitures, des espèces de 4x4 ou même des buggy. C'est un rallycross avec des buggy, quoi, en gros, c'est ça le Land Rush. Et enfin, le Gymkhana, donc on va y aller tout de suite, qui consiste donc à faire des compétitions, enfin une compétition en faisant des figures, en fait, simplement. Alors là, voilà, j'ai rejoint une partie. Est-ce qu'ils sont en course? Ah bah, ils sont même pas en course, j'ai de la chance. S'ils étaient en course, j'aurais pu... alors là, je peux faire veto pour passer la discipline, même si c'est con, parce que là, on est qu'en Gymkhana, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire, donc, attendez, je voulais dire un truc, là. Je ne sais plus quoi. Ouais, si j'étais arrivé et que la partie était encore en course, j'aurais pu les regarder. Voilà. On va changer de coloris, là. On va prendre ce coloris-là, il est sympathique. Là, on voit les véhicules, compris les autres concurrents. Vous voyez que je suis niveau 9, hein. Là, il y a niveau 10, 21, 23, 28, 29. Donc, je suis le niveau le plus bas. Donc, si je perds, j'ai la bonne excuse. Je déconne. Alors, je vais essayer de me concentrer. Alors, en quoi ça consiste? En fait, là, je ne vais pas voir mes adversaires. Enfin, en tout cas, il ne va pas y avoir de collision possible. Et je vais devoir faire... Enfin, on est tous sur la même arène pour le Gymkhana. Mais on ne peut pas se rentrer dedans. Et c'est celui qui fait le meilleur score au bout du temps en partie qui gagne, tout simplement. Et vous allez voir les scores qui se mettent en haut à droite de l'écran. Voilà, vous allez voir ça. À savoir qu'en fait, moins on fait d'erreurs, plus notre combo monte. C'est-à-dire que si on enchaîne les figures sans faire tout le temps les mêmes, en plus j'aime bien cette arène-là, sans faire tout le temps les mêmes, sans accrocher un mur, vous voyez, et ben là, on aura juste au-dessus de moi, vous voyez, un triangle. Là, pour l'instant, je suis en x1, et ce x1 va monter en x2, en x3, et même parfois en x4, même si c'est plus rare. Voilà, donc là, j'ai fait la bûche totale, putain. Vas-y, ça commence super mal. À vrai dire, franchement, c'est vrai en plus, hein. C'est pas une excuse à la con. De passer de HD à pas HD, ça change beaucoup. Mais vraiment, c'est vraiment radical, quoi. Mais putain, mais je comprends pas, sérieux. Ma voiture, elle fait un truc bizarre. Alors là, je suis en x2, vous voyez. Bon, là, je vais refaire la même figure, mais bon, deux fois, ça va. Alors là, je fais du grand n'importe quoi, putain. On va faire un spin. Je suis quatrième, là, je fais de la buse. Là, il y a un drift. Oh, joli, joli. Non, t'as pas le mur. Waouh! Putain, j'ai failli toucher le mur, c'était chaud, là. Waouh! Pas que je touche les murs, sinon j'ai perdu mon combo, là, 2x2. Même si x2, c'est de la merde, hein, il faut arriver à x3 si on veut gagner. Putain, non, mais là, je fais n'importe quoi. Je fais du grand n'importe quoi. Il faut tout faire avec le frein à main, c'est assez technique quand même, hein. Il faut pas être une buse complète pour faire ça. Bon là je fais n'importe quoi comme vous pouvez le voir, je fais n'importe quoi. Je suis quatrième, je fais vraiment de la buse. D'habitude j'arrive facilement au x3, bon là j'ai fait de la buse. En fait je suis dernier parce que les autres ils ont abandonné. Bon, donc voilà, et on va découvrir le mode partie ensemble parce que je sais pas ce que c'est en fait. Donc on va quitter ça, on va quitter cette session. Et on va aller voir ensemble le mode partie, voilà. Et après, bah, écoutez, on s'arrêtera là, hein, si vous voulez. Parce que là, franchement, je pense vous avoir tout dit. Je réfléchis un petit peu, mais je pense vous avoir tout dit. Plus, avec combien de temps? Alors voilà, là, vous voyez, je gagne des points pour ma réputation en ligne, on peut dire. Ça, c'est mon classement en ligne. Et d'accord, c'est tout. Non, parce qu'en fait, habituellement, on gagne aussi, mais bon, certainement pas en Gymkhana, bon, on s'en fout. Quitter session, je vais vous faire voir le mode, enfin le mode partie, là, parce que surtout, je sais pas ce que c'est, quoi, c'est ça le truc. Alors, Pro Tour, Solo, mode partie. Alors là, on va découvrir ensemble ce que c'est, hein. Je ne sais même pas ce que c'est, ça. Le mode partie, est-ce que dans le Pro Tour, on l'a pas, ça? Donc, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée.
Alors là, ils sont encore en cours, je vais pouvoir regarder. Ah voilà, c'est bon. Mais je dois faire quoi? Je sais même pas ce que je... Outbreak, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Outbreak. Micro? Pourquoi il me dit ça lui? Death Race 99 me demande si j'ai un micro. Oui, j'ai un micro, mais je m'en sers actuellement pour ma vidéo, Biloute. Pourquoi il me demande ça lui? Ah non, non, non. Nanananana. Attendez, il faut que je choisisse mon véhicule. Je vais lui dire non. Non, bon, on s'en fout. Allez, vite, vite, là. Ah oui, puis juste comme ça, un petit message. Arrêtez de m'ajouter en ami sur la PS3 parce que ça sert à rien du tout. Voilà, parce que je n'accepte personne, en fait, hein, tout simplement. Parce que pendant un moment, j'acceptais tout le monde, mais ma liste d'amis a saturé. Ça buguait complètement, donc j'ai supprimé tout le monde. En plus, ça sert à rien parce que je vous ajoute et... Je ne joue jamais avec vous, quoi. Donc à quoi ça sert, sérieux? Ça sert à que dalle. Donc arrêtez, parce que franchement, ça sert à que dalle. Voilà. Alors, vous pouvez m'envoyer des messages, ça, pas de problème. Des messages genre, voilà, j'ai regardé tes vidéos, voilà, enfin, je sais pas, quelque chose, quoi. Mais bon, juste m'ajouter en ami pour rien du tout, ça, franchement, ça sert à rien. Donc ça, voilà, c'est tout. Ajoutez-moi un ami sur Daily, si vous voulez, mais pas sur la PS3, parce qu'après, ça sature et c'est n'importe quoi. Alors, je crois que c'est du Gymkhana, en fait, hein. Simplement. Ok. Putain, quand on n'est pas en HD, comment le... ça prend de la place, là, le truc des messages. Bah oui, c'est du Gymkhana, ça. Outbreak. Bon, je sais pas. Votre partie, c'est du Gymkhana, en fait, non? Bon, non, c'est un peu con, quand même. Ah non, ou alors c'est du Gymkhana. Hein? Ah, ok, il y a collision activée. Infecté, 0 sur 6, qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? What? Mais qu'est-ce que c'est? Je suis infecté. Ça veut dire quoi ça? Faut que je touche les... Ah, faut que je touche les adversaires maintenant, c'est ça? Oh merde! Ah putain! Là-bas, là-bas. C'est ça en fait, il faut toucher les autres, ah, c'est marrant ça. C'est marrant. On fait un loup en fait. Oh putain. Putain, l'autre il me nargue. Ah, il me nargue. Tu vas voir, toi, t'es dead toi. Il est où? Oh putain. Putain, mais oh. Mais pourquoi c'est moi qui a été infecté? C'est ça la question. Pourquoi c'est moi? Oh putain. Bon alors le... Allez! Ça y est, j'en ai touché un là. Lui j'ai monté, j'ai niqué. Mais pourquoi je suis encore infecté? Je crois que j'allais passer l'infection. Oh putain. Allez, lui je vais me le faire là, lui là. Il est où là? Putain, reste 30 secondes. Merde! Je vais me le faire. Regardez-moi ça. Ça va être beau. Putain, il est reparti dans l'autre sens. Putain, mais il est où, là? Putain, il s'est barré. Là. Ah non, lui, il est déjà infecté, lui. Merde. Oh oui, lui. Vas-y. Lui, là. Allez, vite. Oh non. Putain, j'ai failli l'avoir. Fin de partie. Quelqu'un s'est sauvé. Ok, le but c'est que je les touche tous. Mais attendez, c'est impossible. Bon, attendez, mais c'est trop simple d'être. C'est plus simple d'être survivant qu'autre chose là. Bon, est-ce que c'est tout le temps ça? C'est ça la question. Est-ce que le mode partie c'est tout le temps ça? Je ne sais pas. Vous savez quoi? On va attendre un petit peu pour voir. On va refaire une partie. Après, on se laissera là-dessus. Juste lire le message de l'autre, là. Le mec, il m'envoie un message. En fait, il est même pas au courant qu'il va être sur ma vidéo, quoi. Alors, donc là, vous voyez, j'ai gagné un niveau.
Je suis niveau 10, bah non. En ligne. Voilà, et là c'est ma réputation de pilote, mais offline, vous voyez. Et je gagne quand même des points dessus. Et là, vous voyez, vu que j'ai passé un niveau, il y a un nouveau sponsor qui s'intéresse à moi. Et donc, je vais pouvoir avoir deux nouveaux coloris et... voilà, vous voyez, couleur déverrouillée, de nouveaux coloris et de nouvelles voitures puisque j'ai passé un niveau. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, c'est un petit peu direct live hein, la fin, enfin complètement même. Je pense vous avoir tout dit, hein, de toute façon. Oui, je vous ai tout dit, oui. Enfin, à peu près. Alors, transporteur, non, c'est plus la même chose. Mais ça, je suis à combien de temps? Oh putain, 42 minutes presque. Enfin, moins de 41 minutes plutôt. Faut que je fasse attention, faut mon nom, c'est bon. Alors, veto de la discipline. Non, j'en sais rien, je sais même pas ce que c'est, transporteur. Oui, c'est pour passer. S'il y en a encore deux qui appuient sur veto, on passe la discipline. Là, s'il y en a encore trois qui appuient sur veto, on passe le tracé. Donc là, on n'est plus que quatre. Hein. Bon. Je ne sais pas quelle est. Bon, on va reprendre la même voiture. Alors, je sais pas si c'est la même chose, là. Oula, je suis un petit peu fatigué, là, quand même, hein. Enfin bon. Pourtant il est pas. Enfin il est tôt là. Enfin il est tôt. Entre guillemets, hein. De toute façon je pense que je vous avais vu l'heure là quand j'ai mis le. Pour quand j'ai répondu au gars là. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire. Enfin tout ça pour dire. Que je vais aussi. Peut-être vous présenter Infamous grâce au welcome back de Sony. Là. Enfin bon, bref, peut-être vous présenter Infamous. Peut-être Burnout Paradise aussi. Bref, à chaque vidéo, je vous dis que je vais vous présenter des jeux. Mais là, j'ai présenté Dirt 3 quand même. Voilà. J'avais dit que j'allais faire dans Super Mario Galaxy 2. J'ai fait la présentation de Super Mario Galaxy 2. Du coup, cette musique, j'avais jamais entendu. Alors là, faut faire quoi là? Nouveau drapeau. En fait, c'est pas des courses, quoi. C'est moyen quand même. Hein. Putain, le. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Putain, le tonneau qu'il a fait, le mec. Regardez. Wouh! Pourquoi il est rose, le mec? Ah, c'est parce qu'il a le drapeau. Putain, les. Ok, d'accord. Vas-y. Merde, j'avais pas vu la. Allez, vas-y, il va descendre là. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi là. Oh non, putain, mais je monte et il se barre à ce moment là quoi, c'est pas possible. Là, il y a un drapeau là, non? Ah oui, là. Ok, putain, en fait, il faut qu'il ramène ici. Putain, je comprends rien, sérieux. Oh là là, n'importe nawak. Putain, mais attendez là. Allez, lui, j'aime le faire là. J'aime le farcir lui. Oh, magnifique, vous avez vu ça comment je suis passé entre les deux là. Boum. Aïe, je l'ai là. Vite, je me barre. Vite. C'est là qu'il faut que je le ramène. Ouais, j'ai marqué, magnifique. Vous avez vu ça? Allez-y, je monte là, parce qu'il va encore être là, je parie, ouais. PD, là. Non, mais accélère, là. Mais quoi, mais je l'ai touché, là, sérieux. Non, sans déconner. Attendez, repasser la vidéo, je l'ai touché, là, j'en suis sûr. Putain, il est pas sur moi là. Bah, de toute façon, il y a un truc simple, je l'attends ici. Voilà, comme ça, il pourra pas venir. Regardez, je vais me le faire là. Je vais l'attendre ici. Et qu'il fait tout le tour. Alors, est-ce qu'il va réussir à m'éviter? Attention là! Va-t-il m'éviter?
Oh merde, c'est pas lui qui l'a. Oh oui. Oh magnifique. Oh là 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 là. Ça c'était beau, je sais pas si vous avez compris là, mais le mec en fait il m'a percuté juste avant d'entrer dans le truc. Et du coup j'ai gagné le point. Eh mais ça c'est la technique ça. Attendez. Du coup il fait comme moi le mec. J'ai encore là. J'ai encore marqué. Mais oui. Putain ils sont où là les drapeaux. Oui attendez, il suffit de l'attendre ici en fait. Bon c'est un peu de l'anti-jeu mais c'est super simple. Attendez. Regardez, regardez là. Je le vois là-bas là. Il est là-bas. Et on voit le petit icône là où il y a le drapeau. Oulala, qu'est-ce qu'ils foutent. Oh là là, il y a du tonneau dans l'air là. Putain, il est où. Oui, j'ai encore marqué. Et voilà. Bon, c'est un peu de l'anti-jeu, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà, bon, on va cesser là-dessus. Bon, voilà les parties game. Enfin, les modes parties. C'est, voilà, c'est ça, tout simplement. C'est un mode partie, voilà, il n'y a pas de course. Bon, c'est sympathique, c'est sympathique. Donc voilà, on cesse là-dessus, parce que là, ça fait presque 50 minutes qu'on est ensemble. Donc sur ce, je vous dis bon jeu, sans modération. Et à la prochaine, les amis. Allez, salut.